salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment on va faire ensemble du fake FPV drone, comment on va simuler en fait les images qu'on a d'habitude avec un drone, lorsque un drone racer, un drone FPV, sur lequel on installe d'habitude une GoPro. C'est le nouveau truc super tendance, super la mode que tout le monde a envie de faire. Non, t'inquiète pas, je vais pas te remplacer, t'as de beaux jours devant toi, t'inquiète pas. Bon, du coup, je me suis dit, si on essayait de refaire un petit peu les images qu'on voit d'habitude en FPV avec nos drones classiques, et essayer de s'approcher au plus près, de simuler un petit peu tout ça pour apporter peut-être une autre dynamique à nos vidéos, à nos plans et apporter autre chose à ce qu'on voit d'habitude sur nos plans de drone à nous. Et je crois que j'ai trouvé une petite solution pas mal et je vous emmène tout de suite, ça va se passer sur Premiere Pro et sur After Effects. Donc tout d'abord on va importer du contenu là-dedans. Moi j'ai pris des rushs que j'avais de cet été que j'ai pas encore utilisé, donc ça tombe très bien. C'est un peu ce que vous avez vu en introduction. Et puis voilà, on va aller chercher une scène là que je viens de trouver, que j'ai pas utilisé dans l'intro, où en fait on a donc quelque chose d'assez simple, hein, ça va tout droit pendant assez longtemps et puis un petit virage juste à droite à la fin. Donc on va aller s'importer ça, on va se mettre ça dans notre timeline ici. Voilà, donc là j'ai quelque chose d'assez simple, ça va tout droit et puis hop, on a un virage à droite. Là, la première chose à faire, l'étape numéro 1, c'est de venir accélérer la vitesse de cette séquence, parce que les drones FPV ils vont beaucoup plus vite que nos drones. En général, ce qui marche bien, c'est entre 600 et 800. Là, je vais mettre 700. Vous voyez, tout de suite, là, ça fait plus que quelques secondes au niveau du plan. Je vais faire une première prévisualisation au niveau de la scène pour voir si la vitesse me plaît, hein, tout simplement. Voilà, donc là, ça va assez vite. Je dirais que par rapport au drone FPV, on a pris la vitesse. La deuxième chose qu'il faut qu'on fasse tout de suite, et ça va en plus nous aider, c'est que maintenant, il faut qu'on simule un petit peu cet aspect de caméra GoPro. Alors d'habitude, les plans de GoPro, on va les corriger avec les déformations de la lentille. Là, on va les amplifier, on va les créer avec le même effet de déformation de la lentille. Donc on va chercher l'effet de déformation de la lentille. On va l'appliquer ici à notre séquence. Hop. Et puis, on va mettre dans les réglages, au niveau de la courbature, on va partir sur une base de 25. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on vienne la zoomer. Donc ça, c'est la troisième étape. Il faut absolument qu'on vienne zoomer notre image. Donc on va partir sur une base de 130% en termes de zoom. Donc là, on a une image bien zoomée. Si je coupe l'effet distorsion, vous voyez ici, là, ça nous permet de voir plus et d'avoir un léger effet GoPro, on va dire, sur le plan. Si je tourne, à peine je tourne, là, tout de suite, on va voir un peu tout ça. Donc, la petite astuce que je vais utiliser pour, en fait, nous permettre de pouvoir faire une rotation quand même sur l'image, c'est d'utiliser, des barres, on va dire, de crop, des barres de format. Donc là, j'ai des barres de format 2.35. C'est un petit PNG que vous pouvez télécharger un peu partout sur Internet. Une fois que vous avez tout ça, de toute manière, là, vous êtes prêt. La prochaine étape, c'est de prendre tout, vous faites clic droit et vous faites remplacer avec une composition After Effects. Ok, donc là maintenant je suis sur After Effects, donc on voit, je retrouve ici les éléments que j'ai envoyés. La prévisualisation est prête, ce qui fait que ça me permet de voir en vitesse réelle un peu ce qui se passe. Et on voit, si je bouge le curseur comme ça, que voilà, le virage il arrive ici. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans les effets de transformation, mettre une première image clé au début du virage. Donc on va regarder où le drone commence à tourner. Et on va insérer une première image clé comme ça. On va aller à la fin du virage tout de suite. Donc là, il va être à la fin de mon plan, en l'occurrence ici. Et on va mettre une image clé. On va se rendre littéralement au milieu un petit peu de ce virage. À chaque fois, hein, quelle que soit, je dirais, la vitesse, etc. Vous allez voir. On va mettre au milieu ici une image clé et youpi. Là, on va donner, je dirais, l'aspect de rotation qu'on veut. Donc quand on va tourner à droite, il faut tourner dans ce sens-là. Et quand on va tourner à gauche, il faut tourner dans ce sens-là. Voilà, moins 19, ça passe ici. Du coup, si je regarde, hop, voilà, on voit que ça penche dans la bonne direction au moment où je fais mon virage. Bien évidemment, on voit que ça penche pas du tout de manière naturelle et c'est grillé. C'est pour ça que là, on va cliquer une image clé ici et on va cliquer ici pour faire apparaître les courbes de vitesse là. Le premier truc que vous allez vouloir faire, c'est cliquer sur l'image du milieu et mettre un marqueur, je dirais, d'entrée et de sortie en apaisement, en easy ease comme on dit, en cliquant sur ce bouton là. Voilà, vous voyez qu'ici ça va vous faire une belle courbe et ça fait apparaître les deux petits points ici qui vous permettent en fait de jouer avec cette courbe ensuite. Sur le point, on va dire, d'entrée de virage, on va cliquer
ici pour mettre une petite courbe pareil que de ce côté-là, et sur la sortie, pareil, hop, ici. Donc là, vous voyez que ça assouplit déjà vachement le virage, vous voyez que ah, ça commence à être un peu plus naturel, mais ça colle pas à l'image. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on fasse en sorte que notre virage soit à peu près logique. Déjà, un drone FPV, moi j'ai regardé un petit peu, les virages commencent pas de manière complètement fluide comme ça. En général, il y a un bon mouvement qui s'amorce et ensuite ça tourne. Du coup, on va baisser ici comme ça la courbe, de manière à faire plutôt un beau creux comme ça, et là, tout de suite, hop. Le drone, il va vraiment commencer à tourner, enfin, la caméra, avant que le drone tourne. Ok. Là, on a ça, mais ici, vous voyez que le virage, paf, il se renforce ici, là, par là. Donc là, de la même manière, on va cliquer ici, et on va tirer ce point-là, de manière à garder voilà, la rotation ici au maximum, avant de la renvoyer. Donc là, hop, et tac. Ici, vous voyez qu'à la fin, ça redevient plat, mais ça continue de tourner, ça marche pas. Donc là, il faut, hop, de la même manière au début. Voilà. En gros, on a une belle crevasse qui s'adapte à peu près au format, voilà, ici, hop. Là, on est bien pour ça. Si on regarde, si on fait une prévisualisation, on va dire que ça suffit, ça fait le job, ça donne un peu une impression comme ça de diète. On aurait pu éventuellement chipoter un peu plus, rajouter des images clés ici, mais là, pour le principe, on va faire juste ça. Donc là, on a tout. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est quoi? Bah, c'est le flou de mouvement, en fait, dans notre image ici. Quand on a filmé, bah, nous, on a mis notre vitesse d'obturation au double de notre fréquence d'image seconde. Sauf que là, on vient d'accélérer complètement la fréquence d'image seconde. Donc du coup, il nous faut un flou de mouvement plus important. Donc là, on va utiliser un mouvement qui s'appelle, un effet qui s'appelle Force Motion Blur. Vous allez l'appliquer sur votre vidéo ici et vous allez voir tout de suite, si on se rapproche un petit peu, hop, bah voilà, ça va, si je coupe l'effet, on voit ici, là, c'est bien net, et si je rajoute ici, hop, ça fait un flou de mouvement. On va mettre une trentaine de sampling, ça fera un effet plus propre, et puis voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez plus qu'à désactiver ici les barres. On va préférer les gérer dans Premiere Pro directement. Ici, c'est juste pour être sûr de ne pas dépasser. Parce qu'après, en plus, on va faire de la colorimétrie. Donc, on ne veut pas colorer les barres dans tous les sens, quoi. Donc, une fois que j'ai ça, je vais faire un petit export. Voilà, je vais mettre ça en file d'attente. Voilà, ça y est, mon rendu est fini. Maintenant, je vais retourner dans Premiere pour importer tout ça. Voilà, donc je retourne dans Premiere et hop, je vais mettre mon clip ici. Voilà. Donc là, on voit que ça tourne nickel. Hop, on a notre petit tour. On va remettre nos petites barres de 35 de tout à l'heure. Hop. Voilà, et c'est bon. Voilà, le tour est joué, vous avez fini. Ça y est, il n'y a plus qu'à faire un peu de colorimétrie là-dessus. Voilà. Hop, je vais vous en mettre rapidement un petit coup. Ça fait pas de mal. Hop. On va juste coller au moins le lut pour voir les couleurs correctement. Et puis voilà, bon, là l'image est complètement un peu saturée, elle mérite d'être réduite ici. Hop, hop, un petit peu là-dessus. Et voilà, bingo, vous avez votre petit plan façon FPV. Alors après, bien évidemment, plus vous passerez proche des objets, etc., plus ça va donner l'effet. Plus vous allez aussi faire des mouvements un peu souples avec votre drone quand vous allez filmer, mieux ce sera. Bah, c'est tout ce que vous avez à faire et à savoir. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Un petit coup de Premiere, un petit coup d'After Effects, trois pauvres petits effets. Le rendu est pas très long à calculer. Et voilà, vous avez votre petit plan FPV style. Bien évidemment, vous n'aurez jamais un vrai retour FPV, mais ça peut dynamiser les scènes, c'est sympa, ça s'utilise. Bref, amusez-vous. Et puis c'est tout, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions encore sur ça, ou des petites précisions de comment j'ai fait certaines choses, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis voilà, amusez-vous bien, enjoy, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup vraiment et ça me touche en plus, merci. Et puis voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je sais que j'ai un petit colis qui doit arriver dans pas longtemps et ça va être super sympa. Je vous fais des bisous à tous, c'était, voilà, j'espère assez rapide, putain, j'espère que j'ai pas trop été dans tous les sens. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut !